pour vos données sur les consommations énergétiques via l'onglet Carte, lancez Consommation énergétique par secteur d'activité ou Consommation énergétique détaillée du secteur résidentiel. Ces cartes à requête présentent les dernières données de l'inventaire des consommations énergétiques d'Air Paris. La fenêtre À propos vous décrit sommairement les données de la carte et vous permet d'accéder aux détails de la méthodologie. Après avoir consulté et fermé cette fenêtre, la page affiche trois espaces. Les critères pour vos requêtes, la carte des communes avec mention des intercommunalités et la partie des infographies, synthèse, répartition et des données qui s'ajustent à chaque interrogation. La carte est liée aux critères qui sont cochés. Elle se recompose chaque fois à la volée. Deux jeux de légende sont possibles, classe fixe ou relative, permettant de recomposer la carte en fonction des critères sélectionnés. Vous pouvez retirer de l'affichage la cartouche de légende. Vous pouvez naviguer librement sur la carte. Vous pouvez rechercher une commune. Vous pouvez interroger une commune pour afficher la valeur correspondant à la requête. Attention, si vous changez les critères, l'étiquette communale est à fermer par vous-même, car son contenu reste associé à la précédente interrogation. Notez que les communes concernées par des données à caractère personnel non divulgables sont indiquées par un contour en pointillé. Pour revenir aux critères de sélection, sachez que par défaut, la somme des consommations est à climat réel, c'est-à-dire non corrigé des variations climatiques. Le requêteur consommation énergétique par secteur d'activité présente la somme des consommations énergétiques selon les secteurs d'activité, selon les types d'énergie et selon les usages. Les données historiques remontent jusqu'à 2005, année de référence du schéma régional climat air énergie. Le requêteur consommation énergétique détaillée du secteur résidentiel présente, lui, la somme des consommations énergétiques uniquement pour l'année la plus récente, selon le type de logement, maison, appartement, et au choix, soit la catégorie du logement, principal ou secondaire, soit la nature du parc, social ou privé, soit la période de construction. Les onglets « Synthèse » et « Répartition » permettent de visualiser les données sélectionnées et cartographiées, soit par classe d'effectifs, soit par grandes entités géographiques. Attention, le total régional peut s'avérer incomplet du fait de certaines données non divulgables. Enfin, l'onglet Données permet de visualiser les données brutes sous forme de tableau, dont vous pouvez trier les colonnes, y rechercher une valeur, exporter les données en format CSV avec la liste des critères sélectionnés. Les données sont également téléchargeables via l'onglet Export dans le bandeau supérieur noir, de même que la carte et ses infographies associées, toujours avec la liste des critères sélectionnés.